premier rendez-vous. Éteignez vos portables, merci, merci. Prenez un verre sur la table. Oh!
Mais que c'est un
n'allez pas regretter votre argent. J'accepte vos cartons de pêche. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Mais vous savez, ce que mon mari voulait dire, c'est que nous avons payé pour notre stand. Oui. Et vu que M. Favet a fait un joli plan avec tout ça, ce serait sympa de... Ah non. Je vous arrête tout de suite là, madame. Je ne sais pas qui c'est, moi, c'est Favet, là. Favet. Un rio, quand Favet parle, Favet lâche. Bon, Pavel, mais moi, Sylvain Cabot, j'ai discuté avec mon beau-frère, le prince Montbaron, qui est le mari de la belle-sœur, qui est la tante de ma voisine. Tu connais, c'est le pêcheur. Il m'a dit que par l'entremise et l'intermédiaire d'un futur prochain contact, il me mettrait en relation directe avec le chef de la brocante, qui s'appelle Gemelet Martin. Martin, je m'appelle Jeff Martin. Non mais t'as entendu comme il a braillé mon nom, l'autre blanche-neige là, ou bien? Mais je vais lui mettre un pain dans la tronche, pas un petit pain, hein, mais un gros bignon. Thank you.
pas. Une lettre de famille. Votre livret de famille et le nom de vos enfants. Stratouille, vous êtes assuré auprès de quelle assurance? Valoise, Zulich, Strasbourg. Oh, ils font des billets de train, c'est bien ça. Vous faites Bernay, non fier. Eugène, ça suffit. Oh. Dites-moi, Eugène, c'est qui votre médecin traitant? Oui, mon dépens, il répond toujours à Gauthier. Ah, le commerce Gauthier, c'est bien. Vous avez sa procuration? Bon, écoute, voici la paperasse, je vous la laisse, mais surtout, je vous laisse mon gel. Même si ça me fait mal de laisser, parce qu'on s'y attache avec le feu. Mais bon, si je veux pas dépasser les 15 minutes gratuites, faut que j'y aille. Oui, t'inquiète pas, tu seras bien ici, puis je viendrai te voir tous les jours. Allez, on va bien s'occuper de lui, vous inquiétez pas. Allez, au revoir, madame. C'est par ici la sortie. Voilà. Bon, Lucette, je vais vous montrer où est votre chambre et où se trouvent les cafétérias. Oh, super. Et vous? Vous habitez toujours ici, ma jolie? Non, non, mais vous allez voir, il y a plein de monde. Oh, ouais. Vous allez vous plaire. Oh. On y est bientôt. Ah, ben voilà, c'est votre chambre. Oh. Vous avez la chance. Thank you.
madame Marinta, qui n'y aurait du père. Bien, je vous ai déjà tous vu. Ah non, pas vous. Bonjour, madame Paco, vous allez bien? Ah non, mais pas du bonjour, comme d'hab. Bon appétit. Dites-moi, vous pourriez demander à la cuisine d'avoir un peu plus d'hygiène avec les services? Oui, c'est vrai, j'aurais quand même remarqué à leur père. C'est vraiment bravo. On mange tous les jours la même chose. Au plus, on connaît les menus une année à l'avance. Alors ça, c'est pas grave. Si par hasard, il reste plus une année chez nous, les rameaux au milieu ne se rappellent pas ce qu'ils ont mangé. Puis de toute façon, tout ça finit dans nos bourses. Salut les racistes sauvages. La forme. Alors, vive le don, chauffeur. Bien ce qu'il dit. Faites le feu, c'est pour ça qu'on est là. Bonjour, monsieur Pierrot. Ne vous trompez pas de chose froide, c'est facile. Mais sur là, c'est DJ qui livrait. Tu viens voir ça, mon client, là. Une fois les deux, c'est bon. Faut rester grand chose. Non, mais ils sont pas longs. Ils sont pas longs. Ils rapportent sur la question. Bon. Nous allons allumer une bougie à la mémoire de Séraphin, qui nous a malheureusement quitté hier. Oh. Thank you.
Mais sur tu animalier, nous on voudrait bien rigoler. Nous on dit, faites pas semblant d'être sous, aux consignes et aux discours, ça ne marchera pas toujours. Je vous dis, laissez-nous dans nos affronts, mêlez-vous de vos sirops, la vie de nos corps est rose. Je vous dis, brûlez pas les parasols, bouffez pas les tout le sol, vous avalez nous rendre. Il y a la bombe.